Richon, c'est Mr. John Cena. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Xenoverse spéciale parce que, s'il vous plaît, arrêtez de parler pendant que je suis en train de faire le cours. Je suis en train de me présenter pour l'instant. Vous permettez que je puisse faire mon cours tranquillement, s'il vous plaît? Bon, ça suffit. Ah, donc je disais, oui. Donc, excusez-moi de cette petite intervention que j'étais obligé de faire parce que les élèves discutent. Donc, oui, donc je disais que je vais vous donner des cours d'anglais. Donc, des cours d'anglais, forcément, j'ai la fameuse ardoise que je vous ai présentée dans la précédente vidéo et les feutres que j'ai achetés. Donc, vous sortez tous une feuille, s'il vous plaît, là, je ne rigole même pas, vous rigolez. Vous sortez tous une feuille, derrière vous. Il n'y a pas de pourquoi vous sortez tous une feuille, vous allez faire ce que je vous dis. Pas possible ça. C'est pareil pour vous aussi qui vous me regardez. Vous faites pareil que moi, donc vous marquez. Chut. Ah, y a silence. Bon, ça, pénible. Donc, on va commencer par les salutations, parce que les salutations en anglais, c'est important, hein, de savoir dire bonjour, au revoir, comment ça va, voilà quoi. Donc voilà, vous écrivez ça sur votre feuille. Enfin, les élèves et vous qui me regardez, vous écrivez ça aussi sur une feuille. Vous soulignez en rouge. Hein, vous soulignez salutation en anglais en rouge. Voilà. Voilà, hop. Je vais effacer ça. Voilà, hop. Et on va commencer avec le premier mot. Enfin, la première phrase plutôt. Qui est bonjour. Alors comment est-ce qu'on dit bonjour en anglais? Tout simplement, là vous écrivez au stylo noir ou n'importe quelle couleur, vous écrivez bonjour, donc bonjour en français, voilà, en français c'est ça, et en anglais, bah tout simplement, en anglais c'est tout simplement hello, voilà. Donc ça c'est anglais. Donc en français c'est bonjour et en anglais c'est hello. Voilà, hello. Voilà. Vous avez suivi là ce que j'ai dit là ou pas? Qui n'a pas écouté? Qui n'a pas écouté? Allez, vous savez quoi alors là? Ça, je ne suis quand même pas avec vous. Alors là je suis quand même pas avec vous. Donnez-moi tous vos cahiers de correspondance. Dépêchez-vous. Et tu me ramènes pas là parce que tu te dis malin, tu me casses les couilles. Tu me casses les pieds, pardon. Vous, là-bas, c'est pareil, vous arrêtez de parler, sinon je vous envoie chez le directeur. Toutes mes excuses. J'essaye de faire le plus mieux possible mon cours d'anglais, mais ce n'est même pas possible avec ces élèves qui parlent. Bon, on continue, ce n'est pas grave. Alors, pour dire salut, donc, on écrit en français salut. Donc, sur la feuille, on écrit salut. Voilà. Salut. Et en anglais, ça s'écrit. Tout bêtement, ça s'écrit. Hi. Hi. Ça veut dire salut. Hi. Voilà. Tout simplement. Ensuite, pour dire bonsoir, donc. Bonsoir, voilà, vous écrivez bonsoir. Bon, là, ça commence à me casser les pieds, là. Bon, vous, au fond, allez, chez le directeur, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Donc, bonsoir. Voilà. Et en anglais, ça se dit... Good evening. Good evening. Voilà. Good evening pour dire bonsoir. Voilà.
pour dire bonne nuit. Pour dire bonne nuit. Donc là en français c'est bonne nuit. Voilà, le N il est un peu mal fait mais je vais le refaire. Voilà, bonne nuit. Voilà, pour dire bonne nuit, ça c'est en français. Et en anglais, ça se dit. Quand on veut dire bonne nuit à quelqu'un, en anglais, on dit. Good night. Voilà, ça veut dire bonne nuit en anglais. Voilà. On en fait un dernier pour la route, hein, parce que j'ai plus beaucoup de place sur ma caméra. Voilà. Donc du coup, bah, pour dire comment allez-vous? Donc, comment allez-vous? Voilà. Comment allez-vous? Voilà. On dit, quand excusez-moi, on dit, how are you? How are you? Comment allez-vous? Voilà, tout simplement, comment allez-vous? Ça se dit, how are you? En anglais. Voilà. Donc, bah voilà, c'est la fin de ce premier cours, enfin de cette première leçon. Dites-moi si vous voulez d'autres leçons, bah, je vous les ferai sans aucun souci. Et dites-moi aussi dans quelle langue vous voulez que je vous apprenne les mots, parce que moi je connais que l'anglais. Après je peux faire d'autres langues, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à me dire en commentaire quelle langue vous voulez que je vous apprenne. Et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mr. John Cena. Sur ce, ciao tout ça.